Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle Beauty Box de chez Look Fantastic. La voici. Je suis désolée si vous entendez un petit bruit de fond, c'est le sèche-linge. J'ai pas d'autre solution. Voilà. Donc désolée. Abonnez-vous et c'est parti. Donc voilà la Beauty Box de chez Look Fantastic pour le mois d'avril. C'est un orange pastel, c'est très beau. Et je trouve que les boîtes sont très solides. C'est vraiment pas mal. Donc, comme à chaque fois, on a petite édite avec le détail des produits si on veut en connaître plus, en savoir plus. Et la box, comme toujours, avec une petite étiquette. L'intérieur. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a 6 produits et on va les découvrir ensemble. Donc on a un gel douche, je pense. Ouais. Un gel douche de chez Molton Brown et là c'est l'odeur Heavenly Gingerly et c'est à mon avis il y avait du gingembre parce que c'est du ginger, voilà. Donc c'est très bien, ces gels douches sont très chers. Là on a un flacon de 100 ml. Donc c'est bien quand on part en week-end ou quand on va faire du sport et on veut prendre une douche à la salle de sport ou à la piscine ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est un format très utile. Ensuite, ce petit flacon, c'est du Tea Tree Oil. Donc c'est de l'huile au Tea Tree, 100% concentré. Et du coup... ça sert à quoi? Je vais essayer de trouver dans ce petit livre. How to use one part tea to 10 parts. Ok, donc on va utiliser une goutte de l'huile pour 10 gouttes d'eau ou d'huile végétale. Et ça servira à soit utiliser comme diffuseur, soit quand on a quand on se brûle sur la peau, ou alors pour des douleurs de dents. Voilà. Et appliquer avec un coton. Voilà. C'est tout. Je sais pas si je l'utiliserai, peut-être comme un. Comme diffuseur, oui, parce que j'aime bien l'odeur de Tea Tree et il y a 10 ml, donc c'est vraiment un flacon pas mal du tout pour de l'huile essentielle, on va dire. Ensuite, ça c'est quoi? De chez Avon, Hyaluronique Cocoa Shea Butter Tocopherol Argan. Donc c'est un baume à lèvres régénérant à l'acide hyaluronique et il y a 10 ml de baume à lèvres. On adore, on l'utilise, voilà, donc on peut rien dire, c'est très bien. Et il y a de l'acide hyaluronique, donc ça va bien hydrater les lèvres. Ensuite, on a de chez Verso, un sérum d'hydratation avec de la niacinamide. On a combien 10 ml aussi. Et à mon avis, c'est pour le visage. Ouais, donc c'est pour le visage, un sérum hydratant avec de la niacinamide. Voilà, en 10 ml, c'est pas mal pour essayer aussi. Après, on a un après-shampoing préparateur de chez Philip Kingsley. Là, on a 20 ml. Encore une fois,
ce sont un peu des échantillons, donc pour tester, c'est pas mal. Et ensuite, on peut voir si on aime bien, on peut acheter ou pas. Et de chez Rennes, on a un sérum corps Pro 9 éclat AHA, 50 ml. Donc c'est ce qui est écrit, masser délicatement sur peau nettoyée jusqu'à absorption. Les AHA exfolient naturellement les peaux mortes pour révéler l'éclat naturel de la peau. Voilà, c'est comme pour le corps. Au final, là, on est beaucoup sur une box, comment dire, un peu pour prendre soin de nous. Donc on a des sérums pour le visage, pour un baume pour les lèvres, un sérum pour le corps, un après-shampoing, un jet de douche, et on peut faire tout ça avec des petites gouttes d'huile de tea tree dans un diffuseur. Bon, ça va. Je vais vous dire quels autres produits vous pouvez trouver dans cette box, parce qu'en fait ils ont toujours une gamme assez large de produits, et ils en sélectionnent 6 qu'ils envoient aux personnes. Donc les autres produits, ce serait un gel pour les muscles de chez Aromathérapie, ou alors une lotion tonique apaisante pour le visage de chez Elemis, un nettoyant visage au soja de chez Fresh, un sérum réparateur liposome multimélaire à libération prolongée de chez Décorté liposome, donc de chez Décorté. Et c'est tout. Bah, au final, il y en avait 10 produits. Vous les avez ici si jamais ça vous intéresse. Et moi j'ai reçu les 6 là. Franchement, ça me. À part le nettoyant visage de chez Fresh, aucun des autres m'intéressait trop. Donc, au final, j'ai eu de la chance. Donc, voilà pour cette box. Je pense que j'en recevrai encore une et après j'arrêterai pour un moment. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des box que vous me conseillez à prendre. Je serai ravie d'en découvrir de nouvelles. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Et encore une fois, vous pouvez écrire en commentaire et vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt!